J'avais des attentes un peu plus grandes que lorsque j'utilisais des tests psychométriques. En ayant échangé avec le concepteur de l'outil, évidemment, j'avais des attentes au niveau de la précision des résultats. Et mes attentes ont été à 200 % comblées. En fait, l'utilisation de DIRPA au niveau de la précision, ça a un impact plus que positif, puisque IRPA est distinctif dans la précision. Donc, par exemple, est-ce que je suis quelqu'un de timide ou quelqu'un de réservé? Donc, quand on utilise IRPA, on est capable d'amener la personne dans une meilleure compréhension dans ses attitudes puis dans ses comportements au quotidien. Donc, quand je l'utilise, par exemple, au recrutement, je vais être capable d'aller cibler la personne dont j'ai besoin, de ce que mon client a besoin comme candidat, par exemple. Donc, c'est vraiment au niveau de la précision que IRPA se distingue de tout autre test vendu sur le marché jusqu'à présent. L'exemple le plus concret que je pourrais donner, c'est un de mes clients qui avait une adjointe administrative. Il se posait toujours la question à savoir pourquoi c'était si long avant de remettre les tâches demandées. Avec IRPA, on s'est rendu compte que cette personne-là était une personne qui était extrêmement anxieuse et très, très perfectionniste, très méticuleuse, avec un niveau de vigilance un peu élevé. Donc, ce que ça faisait, c'est que quand la tâche était demandée de façon trop rapide, l'anxiété émergeait d'elle et son côté perfectionniste la faisait ralentir dans ses tâches. Donc, à partir de ce moment-là, mon client a adapté sa façon de communiquer et ses attentes vis-à-vis son adjointe. Et à partir de ce moment-là, ce que ça l'a créé, autant chez l'adjointe qui s'est sentie comprise et respectée, a fait en sorte que son anxiété a diminué quand elle rentrait travailler durant la journée. Donc, à ce moment-là, la performance de l'employé a augmenté de façon systématique. Et je rajouterais également l'impact que ça a au quotidien chez mes clients, notamment le retour sur l'investissement, tant au niveau de leur recrutement ou au niveau de leur mobilisation d'équipe, réaffectation de poste, préparation à la relève, le temps qu'ils sauvent, la précision de l'outil, fait sauver énormément, je me répète, de temps et d'argent. Ce qui est intéressant de noter, c'est la perception de mes clients, notamment auprès de leurs collègues de travail. Donc, ils ont une meilleure compréhension, donc ils sont beaucoup plus tolérants, soit avec leurs employés ou avec leurs collègues. Donc, ce que ça fait, c'est que ça l'améliore de façon considérable le climat de travail. Donc, IRPA, dans mon quotidien, c'est de la magie finalement.